Hey, salut tout le monde, c'est Power Julien et aujourd'hui on se retrouve en stéréo de War Games Forever, la chaîne communautaire sur tous les jeux de guerre. Et aujourd'hui on se retrouve sur l'excellent FPS, bon excellent, c'est un petit peu vite dit, mais le bon FPS Killzone, et cette fois c'est l'opus numéro 3. Et on va faire une petite partie multijoueur en live, car en live on reçoit les impressions directes. Alors je fais quelques petites parties, ça ressemble au niveau sélection de classe à tout autre FPS, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a plus, généralement c'est entre 3-4 sélections de classe, mais là je crois qu'il y en a 5-6, là il faut attendre que la partie se lance. Alors je vais jouer infirmier de terrain, parce que ça me fait penser un petit peu quand je joue à Battlefield, voilà. Alors vous voyez les maps quand même sont pas trop dégueulasses, et là c'est vert, je sais pas pourquoi il se passe quelque chose de très spécial. Vous avez vu que c'est vraiment très beau. Et là j'ai le son du jeu dans mon casque. Franchement les animations sonores sont très bonnes aussi. Alors j'ai pris un fermier de terrain. Donc j'ai une mitraillette et un colt que j'ai acheté il y a peu. Et oui, parce qu'il faut acheter les armes un petit peu à la Black Ops. Donc là, sauf que c'est plus de l'argent, c'est des sortes de points de déblocage. Et il y a des armes qui coûtent 2 points de déblocage, d'autres une. Toi tu dead, voilà c'est fait. Et go. Donc on a un premier kill. Merde, il faut les achever, comme ça les infirmiers de terrain peuvent pas aller les réanimer. Et oui, on peut le faire ça, effectivement. Alors là, c'est tout dégueulasse. On dirait que les gens ont oublié de sortir leurs ordures pendant 30 ans. Voilà, ça fait 2 kills déjà. Donc je me suis un petit peu entraîné évidemment, parce que sinon j'allais faire que mourir tout le temps. Il n'y a pas de kill streak, mais on gagne plus de points quand on fait des séries. Non, meurs, meurs, meurs. Voilà, donc la série de 3, on va achever. Voilà, on l'achève. Merde. C'est une tourelle ça. Elle va me défoncer. Vaut mieux que je me barre. Voilà. Hop. Donc il me reste plus que mon colt, hein. Malheureusement on a très peu de mun dans ce jeu. Et après il faut aller chercher dans les... Allez. Allez. Mais putain. Allez tiens, bouffe. Bon, de face c'était un petit peu bizarre. Allez. Oh oui. Oh c'est magnifique ça. C'était épique. Oh je suis déjà un pro de Killzone après 4 parties. Toi tu vas dead mon pote, il est où? Non. Ah il m'a sauvé. Oh il m'a sauvé, oh merci l'ami. Il y a des munes, là il y a des munes. Vite, vite les munes, vite. Comment on fait? Comme ça, allez, go go go. Fais le plein de munitions. C'est bon, parfait. Allez, viens mon pote, je suis prêt à t'accueillir. Allez, magnifique série là. Je suis en train de me gaver les gens. Ah, je suis fier de moi, là il y a un autre ennemi. On t'a vu tirer toi. Je t'ai vu, oh j'ai 3 grenades. J'ai 3 grenades. Oh putain. C'était quoi ça? Oh my god. Je crois que c'est du C4, un truc du genre. Oh il m'a achevé. Bon. Ouais mais je suis quand même large premier de la partie, ouais. En faisant du 6-0. Dommage, à un kill, j'aurais eu un autre bonus de points. Merde, qu'est-ce qui se passe? Ça, ils sont en train de me bourriner, je suis l'homme à abattre. Enfin sûrement, il y a des chances que je sois l'homme à abattre, parce que 6 kills en si peu de temps, je me suis gavé quand même. J'ai fait le tour de toute la map, j'ai commencé à les exploser. Donc là on est en guérilla, hein. Donc en fait c'est une match à mort. Pour voilà, pour ceux qui savent pas, c'est juste une match à mort, ils ont appelé ça guérilla. Il n'y a plus d'ennemis. Ça me déçoit, vous voyez. Bon voilà, je vais un petit peu me présenter. Moi c'est Power Julien. En live c'est du 100% fun, 100% découverte, 100% impression en live. Ah, il y a un mec à réanimer. Et évidemment, après il y a des codes commentaires où je vais mettre des bons sujets. Et là, je suis désolé, mais à ma gauche il y a la machine à laver que vous devez sûrement pas entendre. Mais moi, ça me pète les oreilles. Voilà. Je kiffe les mecs qui se déguisent en alliés. Alors, ça, mais. C'est mon plaisir secret, quoi. T'arrives, le mec c'est un pote et pouf, d'un coup il te poignarde. C'est cool. Ce n'est pas cheaté du tout. Alors, attendez. Est-ce que je peux voler les caisses de mission ennemies? Parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent à le faire. Alors attendez, on va continuer par là. Là j'ai vu quelque chose bouger. Non, c'est des alliés encore. Ah ok, là c'est obligé qu'il y ait un ennemi. Alors attendez, c'est qui? C'est lui. Lui il commence à tirer sur tout le monde. Il est là, il est là. C'est bon, il est mort. Bon, en même temps c'est mis à 3 sur lui. Là il y a encore des gens. Go 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 go. Donc ce jeu est sorti l'an dernier me semble. Oh putain. Ah mais l'autre, qu'est-ce qu'il fout? Il se branle pendant que je suis en train de me faire tuer. Ah c'est grave, il y avait un allié juste derrière, il a rien fait quoi. Bon peut-être que c'était encore un allié déguisé en ennemi, je sais pas, peut-être. Wow wow wow. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, il m'a fait peur.
crois que c'était encore un... C'est lourd ça, les personnes qui s'infiltrent. J'ai joué une fois cette classe, elle est trop cheatée, la classe infiltrateur. Tu arrives, tu es au fusil à pompe, t'es déguisé en ennemi, les ennemis te laissent venir, pouf, tu es tué tous dans le dos, c'est trop laid. Alors, hop, là, on fait un petit saut. Et voilà. Pff, comment je pouvais me douter que ce mec allait me poignarder, quoi. Mais c'est horrible, moi aussi je vais la prendre cette classe, vous allez voir maintenant, infiltrateur. Ça a plus donné la même, alors. On va aller direct vers les ennemis, on va se mettre, on va s'infiltrer, voilà, là je suis infiltré. Je crois que je suis avec lui. Et voilà, je l'ai buté, tranquille, il m'a même pas essayé de me tuer, quoi. Même pas essayé un petit peu. Toi, tu pues. Non, ça, c'est un allié. Voilà, elle est dead. Voilà, parfait. Bon, j'ai pas une connexion de fou, hein. Faut que j'aille m'acheter la fibre optique, malheureusement. Enfin, m'acheter. Non, faut que je demande qu'on me la connecte. Parce que là, vous voyez quand même, il y a un long temps de latence. Au moment où il se prend la balle et au moment où il meurt, l'ennemi. Vite. Ah, putain, non. Ah, non. Encore quelques secondes, je pouvais me refaire infiltrateur, dommage. Ah, c'est une tourelle qui m'a tué, merde, j'avais pas vu ça. Ouais, par contre, les tourelles, je crois que si vous vous infiltrez, elles vous capent quand même, ça c'est con. Tiens, bouf. Ouais, vous avez vu, il y a un gros décalage, n'empêche. Hop, 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 hop. Oh, merde, putain, mais c'est lourd, mais c'est horrible. C'est overshit, ce truc. Je faisais du 6-0, maintenant ils se sont mis infiltrateurs, ils sont en train de me défoncer tout à l'heure. Ouais, je me réinfiltre, voilà. Putain, il m'a capté, l'autre. Enculé. Voilà, tiens, bouffe. Vite, vite, vite. Bon, le fusil à pompe est pas trop mauvais sur ce jeu. Hein. Et en plus, il est vraiment à pompe, il est pas semi-automatique. Et je trouve ça vraiment stylé. Ah non, mais... Viens, mon ami, viens, viens, viens. Ah, mais... Alors, c'est des tourelles qui volent, mais ça, c'est horrible, quoi. Je sais même pas comment ils font pour les avoir, parce qu'il n'y a pas de kill streak dans ce jeu, il me semble. Je crois que c'est les techniciens, ils te posent ça, ils arrivent, ils te tuent, ils font tout le tour de la map, c'est merde, là. Ouais, je vais m'infiltrer. Go, 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 go. Là, il y a un ennemi. Là, il y a un ennemi. Voilà. Merde, j'ai loupé. Ah, putain. Mais il va dead. J'ai pris 3 balles de fusil pour... Voilà, c'est bon. Oula, par contre, j'ai pas d'arme secondaire avec cette classe, malheureusement. Allez, bouffe. Le troisième. Le troisième. Allez, oui. Oh non. Il m'a pété ma série, celui-là. Ouais, n'empêche, je joue jamais avec Killzone, je suis premier, hein. Bon, il faut dire que je suis le pro des FPS aussi, hein, un petit peu. Vous savez, quand vous êtes bon à Call of et à Battlefield, après quand vous jouez aux autres FPS, c'est un petit peu la même chose, il faut juste s'habituer. Oula, on m'a sauvé la life, merci, ça fait toujours plaisir. On va continuer. Là, on va les prendre dans le dos au fusil à pompe. Ils vont prendre cher. Voilà. Évidemment, ils meurent pas, hein, sinon c'est pas drôle. Allez, bouffe. Tiens. Oula. C'est un allié ou un ennemi, ça, c'est quoi? Ça va. De toute façon, il est mort, donc... Oh là 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 là. Ça me tire dessus, là. Mais dead, non? Je te prends 2 balles de fusil à pompe, mon pote. Il faut avouer que ces fusils à pompe ont une bonne portée, n'empêche, mais ça doit vraiment diminuer la puissance. Bon, vous savez quoi? On va se mettre... sniper. Allez, on est des fous. Oh, c'est quoi, ce snipe de merde? Oh, c'est nul. C'est une sorte de MK14, là, mais... avec une lunette à cog, en plus. C'est intérêt à one shot, hein. Alors attendez. Non, ça one shot pas. Je m'en doutais. Bon, on va plus prendre la classe knife, vous savez quoi. Je suis déjà vacciné. Bon, ok, merci de m'avoir sauvé maintenant. Comme par hasard, quand je voulais mourir. Tiens, bouffe. En fait, c'est une classe sniper qui est bien de près, quoi. C'est d'un génie. C'est vraiment magnifique. Mais non, mais. Mais ok, quoi. Quand tu le vois qui est dans le rouge, ça y est, t'as déjà mis un queue dans la tronche. C'est horrible. Non, ah, putain, j'ai appuyé sur croix sans faire exprès. Putain, ça c'est l'habitude de Battlefield. Je croyais que pour changer les armes, il fallait faire croix. Tiens, bouffe. Allez, on continue. Alors. Ah, toi, je t'ai vu. Connasse. Je vais te tuer parce que je sais que t'es un ennemi. Bon, après, il faut aussi se rappeler des pseudos des gens. Ouais, toi t'es un ennemi, je le sais. Tiens, bouffe. Il est mort ou pas? Non, il est pas mort. Genre. Ah, mais il y en avait deux. Battle Hero 007. Ok.
Voilà. N'empêche, elles sont longues les MMEs dans ce jeu. Alors, attendez, on va se mettre un infirmier de terrain comme tout à l'heure. Allez, tu croyais que je t'avais pas vu, toi? Et je t'achève en plus. Alors, attends. Il m'a fait peur, lui. Attends, c'est un ennemi? Je crois que c'est un ennemi, il va. Attends. Non, non, c'est un allié. Et je te réanime. Tellement que je suis gentil. Là, il y a un autre ennemi. Attends, il y a un ennemi là. Allez. Voilà. Oh putain, il y en a un deuxième. Je t'achève, toi. Voilà. Oula, ils ont tout fait péter. J'arrive pas à sauter. Voilà, c'est bon. Merde, j'ai perdu trop de vie là. Là, toi je t'ai vu, toi je t'ai vu. Ne bouge pas trop. Genre. Bon, voilà. Je crois qu'il a calmé. N'empêche, très bon ce système de rechargement du revolver. Merde. Hop. Allez, moi si je. Tiens! C'est moi qui l'ai eu. Ha! Bien fait. T'as essayé de m'avoir au corps à corps, bah c'est moi qui t'ai eu. N'empêche, c'est bien, il y a une animation au corps à corps à chaque fois que t'en mets, hein, même de face, de derrière, tout ce que tu veux. Alors. Wow. Et merde. Ouais, bon, c'est un petit peu laid quand même de face, hein, mais faut. Mais bon, voilà. Bon, on va se remettre, vous savez quoi, fusil à pompe, parce que je l'aime bien, hein, en fait. I love fusil à pompe. Faudrait que j'en achète un autre d'ailleurs, parce que celui-là commence à m'ennuyer. Alors. Ouais, voilà, donc franchement, très très bon FPS. Enfin, pas très très bon, mais c'est vrai qu'il. Bah, je sais pas. Déjà, il y a des gens en ligne, donc c'est qui doit être bien apprécié. Et franchement, je l'ai pas bien expérimenté encore, mais c'est vrai qu'il est pas trop mauvais. Voilà. Après, évidemment, c'est pas au niveau d'un Call of ou d'un Battlefield, hein, mais. Mais bon, c'est sûr que quand vous allez l'acheter d'occasion, il doit pas coûter cher. Donc si vous avez des petits moyens, comme la plupart des personnes, vous arrivez, vous dites, vous avez qu'ils ont 3 d'occasion, hop, à mon avis, quoi, 15 euros, allez. Des gens qui jouent en ligne, ça peut être sympathique, franchement. Et vu qu'il est peu joué, ben, vous pouvez facilement passer premier mondial, vous savez quoi. Tellement que moi, j'ai joué 3 fois que je suis déjà premier de la partie, donc... attendez, alors... Non. Par contre, il y a un jeu que j'arriverai jamais à passer premier mondial, alors ça, c'est sûr. C'est Crysis 2. Alors Crysis 2, mais pouh. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo bientôt, donc je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne pour ça. Cool. Voilà. Et je vais essayer de passer sur la FPS community avec Crysis 2, qui est un bon FPS lui aussi, mais vraiment très dur à jouer. Et je pense le faire en dual commentary. Tiens, bouffe. Voilà, voilà. Donc normalement, le gameplay va bientôt se terminer. Je sais pas à combien de points ça se finit une partie de guérilla. Je vais vérifier. 3002, 3005. Ouais, c'est bientôt fini. Donc voilà. On va essayer de faire un gros massacre peut-être pour la fin. Alors attendez, hop. On va se mettre en. Voilà, bon, on a perdu, dommage. Alors j'ai fini sur un score de 26 kills pour 7 morts. Oh, je suis plutôt bon, je crois. Hein. Et je vais faire un score quand même conséquent. Alors moi, j'espère que cette petite partie, cette découverte sur Killzone 3. Vous aura plu, je remercie d'avance la Wargames Forever, je te fais un gros bisou, moi aussi j'adore les jeux de guerre évidemment, comme la plupart des personnes qui jouent aux jeux vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, bye tout le monde.